Allez, on va se tenter les petits Doremi Fantasy. Alors c'est l'ami Fozzi qui m'avait fait découvrir ce jeu. Et évidemment c'est pas l'original. Tu comprendras que l'original écoute un petit peu la peau des couilles quoi. Cette espèce d'enculé de jeu il coûte cher. Petite que tienne sympa. Attends, c'est lequel celui-là? Ouais, j'essaie de mettre à charger les trucs au passage. Ben, c'est beau quand même, hein. Mine de rien, même si c'est fenêtré. La musique est hyper. En tout cas, un jeu qui s'appelle Doremi, il faut mieux que ce soit superbe au niveau musique. Hein. Qu'à me couper au dessous. Non, alors quand même, ah ouais, c'est bon. Alors de souvenir, le peu que j'y ai joué. Là je découche, je savais pas que j'allais sur la console. Voilà. Alors, un bouton pour sauter, un bouton pour tirer, c'est là ça. Ça voilà. Alors je crois que si on laisse le personnage après l'animation. Alors, est-ce que il me semble qu'on peut sauter sur les... Non ? Ah, évidemment, moi je tire dans le sens, quoi. Alors ça, c'est un des jeux les plus chers sur Super Famicom. Même un Jap à moins de 400 euros, je pense, peut-être t'auras du mal à le trouver. Soit il est sorti qu'un Jap. Ah, c'est gentil le premier niveau, d'ailleurs la découverte quoi, on se balade. Mais c'est kawaii, alors il y en a beaucoup qui ressortent le jeu de Yoshi's Island qui est très beau, qui est très... Mais Yoshi's Island, j'ai pas trop accroché à l'époque. Là, l'animation du visage et tout quoi. Comme ça que tu peux nager. Ah d'accord, il y a une magie, ok. Donc, c'est là s'appuyer sur... Ah, on peut sauter sur les persos aussi. Et les fringues, c'est son énergie en fait. L'animation des arbres, j'adore. C'est... Alors il n'est pas compliqué, le premier niveau en tout cas. Je fais ça parce que j'ai le soleil est plein dans les yeux. Donc on voit les notes de musique, hein. Je sais pas trop à quoi ça sert. C'est quand même des belles parties de plateforme qu'on voit là. Si j'appuie sur Select. Ok. Ah, tu sors du niveau. Ah, bah merde, si t'appuies sur Start. D'accord, ça donne. Ok, d'accord. Je découvre, hein.
Les gars, mais sur 16 bits, t'attends les petits piafs là. Ah oui, c'est vrai. Mais putain, mais. Alors en fait, voilà, le chewing-gum, le bonbon que j'ai fait, que j'ai attrapé quand tu tombes, il permet justement de remonter. Voilà, ça te protège. Alors par contre, ouais, c'est pas facile niveau plateforme. C'est pas punitif parce que ça répond extrêmement bien, même pour de l'émulation, je trouve. Mais par contre, c'est vrai que ouais, c'est. C'est faut pas se précipiter comme un bœuf, quoi. C'est même l'animation du nuage du mec, quoi. Enfin, du nuage du. De sac à goût, enfin, son bonnet, je sais pas. Son truc, tout est animé, en fait, dans ce jeu. Pourtant, mon jeu de plateforme à la base préféré sur Super NES, c'est Super Mario World, parce qu'il y a tellement de détails. Là, tu vois, les. Tout, c'est des comme une clignote des yeux et tout. Il y a une ambiance dans ce jeu. Alors, je crois qu'on fait voir là en bas. Ça rend même l'animation à l'échelle. Son bonnet bouge super bien et tout, c'est. C'est un graal sur la Super Famicom, celui-là. Alors, comment on fait? Voilà. Voilà. Je dois faire encore un ou deux niveaux et ça suffira. Juste screen parallaxe. Aïe aïe aïe. Tiens, il a changé de couleur. C'est ça. Ses vêtements changent de couleur quand il se fait toucher. Là, je sens l'inertie du vent. Même dans l'animation, on le voit. On voit qu'il force. Tiens, c'est beau. Allez. Là, son petit saut, c'est sympa. C'est mignon, tout là. Elle a du mal à décrocher. Il est traduit, c'est fou ça. J'ai une ROM traduite, sauf le milieu au début.
C'est vrai que c'est dommage que plus. Les ennemis respawnent par contre, faut le savoir. Pinocchio. C'est vrai, enfin je crois que le titre est bien choisi, Doremi là, parce que la musique là. Et fantasy, parce que vraiment on y est, c'est beau, c'est... Vache, c'est cool. Aïe. Alors je connais pas du tout l'histoire, apparemment c'est le scénario et une histoire de d'instruments qui ont été volés. Voilà. Je pense que ça a dû s'ouvrir là-bas. Pendant. Voilà. Bon, on va arrêter là pour ce magnifique jeu découverte.